Bon, eh bien, je vous retrouve un mercredi matin. Je pars en prestation, enfin, essai prestation. C'est une histoire un petit peu pas prévue. Je rentre dans ma voiture. Oui, donc je disais, c'est une personne qui doit se marier samedi. On est mercredi. Et bon, il y a eu des soucis a priori avec son esthéticienne prévue. Et elle m'a contactée puisque j'avais fait des ateliers avec des membres de sa famille pour venir en toute urgence faire un essai pour voir si ça peut convenir pour samedi. Voilà, donc c'était pas forcément prévu. Je suis prête, c'est pas très très loin de chez moi, heureusement. Donc je vais aller faire ça et puis normalement on part en fin de semaine avec les filles quelques jours. Alors pour le coup, si j'ai le mariage le samedi matin, on partira l'après-midi. Voilà, et du coup je continuerai ce vlog. Alors côté make-up, j'ai ressorti la palette NYX Utopia et j'ai pas fait exactement ce que je voulais. Enfin, je voulais du vert, donc ça c'est réussi. Mais voilà, je me suis dit, au début je voulais faire un liner et tout, puis finalement je me rends compte que j'ai pas le temps. C'est pas moi la priorité aujourd'hui, c'est un futur mari. Bon, ben, je vous laisse, je pars à cet atelier. Bon, et eh bien, re dans la voiture, je vlog vraiment pas tous les jours en ce moment. Nous sommes samedi matin, il va se passer plein de choses aujourd'hui. Je pars en maquillage, mariage, là tout de suite maintenant. Je reviens chez moi et je pars quelques jours avec les filles. Voilà, donc une journée qui va être bien remplie. Donc là, je traîne pas trop, je file faire ma prestation. Je vous glisserai sûrement quelques images. Hey! Alors un petit bout de vlog dans la voiture, n'est-ce pas? Je sais vraiment pas comment va être ce vlog, mais il va être très décousu. Je sais même plus quand est-ce que je vais commencer à le mettre en place, d'ailleurs en mis bout à bout, parce que je sais pas du tout où j'en suis. Donc je pense que je vous avais dit que je partais quelques jours, ce qui est le cas, sous une météo très changeante. Voilà, là il se met à faire beau et chaud alors qu'il a plu toute la matinée et qu'il faisait froid. Donc voilà, quelques jours pour se changer les idées. Voilà, les filles sont parties jouer, se changer les idées aussi avec d'autres personnes. Et puis voilà, puis on passe des petits moments franchement bien sympa. Nous sommes le 1er août. J'essaie de me tenir au courant toujours bah, par rapport à l'activité quand même. Déjà, je dois monter les photos que j'ai fait de la mariée de samedi matin. J'ai dû vous laisser juste avant, je crois, je sais plus. Ouais, j'avais mis ça de côté et puis je vais monter les photos parce qu'on avait fait quelques photos quand même. J'ai hâte de la voir parce que quand moi je m'en vais, la mariée n'est pas prête forcément. Là, elle n'était ni coiffée ni habillée, donc j'aimerais bien voir le résultat d'ensemble et puis savoir si tout s'est bien passé aussi. Donc je vais voir ça ces prochaines heures. Donc prendre des petits temps, voilà, pour travailler un petit peu le job, mais de manière allégée un petit peu quand même ces jours-ci. Puis je reprendrai un peu plus fort la semaine prochaine et j'ai un autre mariage le week-end prochain. Donc pour aujourd'hui, j'essaie quand même de faire mes petites préparations pour les offres du mois d'août pour Unique. Et on est sur des nouveautés, donc ça c'est cool. Et des nouveautés fossiles. Donc Unique a sorti plusieurs paires de fossiles avec liner magnétique, la pince pour poser les fossiles, etc.
Donc ça, c'est cool. Franchement, ils ont l'air super quali en plus. Et je crois qu'on a plusieurs offres à proposer en termes de promotion. Au niveau de différents ensembles de produits et tout, ça a l'air assez... Enfin, il y en a pour tous les goûts, en fait, j'ai l'impression. Donc je vais m'y pencher un petit peu plus pour préparer mes postes quand même là d'ici ce soir ou demain. Et je dois également faire le tirage au sort d'un concours que vous avez dû passer sur mon Instagram. Donc je vais essayer de faire ça d'ici ce soir et d'annoncer le ou la gagnante. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vais un peu mettre de l'essence dans ma voiture, ce qu'on doit ressortir un peu dans la journée. Et puis je vous reprends plus tard. Bon, eh bien, je vous retrouve de retour chez moi en train de faire un unboxing d'un colis. Donc, unboxing Beauty Bay sur lequel j'ai commandé quelques bricoles, entre guillemets. Donc, il y a des produits qui étaient en fin de solde et c'est pour l'anniversaire de ma fille, en fait. Elle avait repéré quelques... Enfin, elle avait surtout repéré la sortie de la collection Bratz, qu'elle aimait beaucoup quand elle était un petit peu plus jeune. Et comme elle commence un petit peu à toucher au maquillage, je lui ai pris quelques trucs. Donc, j'ai pas pris de palette parce que déjà, elle en avait déjà eu à d'autres occasions. Puis, c'est pas ce qu'elle utilise le plus. Donc, je vais vous montrer pour le coup. Je lui ai pris la petite trousse que j'ai trouvée super sympa. Voilà, petite trousse violette. Donc, je pense qu'elle mettra plutôt des trucs make-up. Ensuite, je lui ai pris le petit coffret de crayons parce que je trouvais ça sympa. Il y a des pastels. Ça, c'est des choses qu'elle a pas non plus. Et je lui ai pris... Voilà, il y a différents produits, il doit y avoir l'eyeliner, et ici c'est le gloss, mais il est énorme je trouve. Je vais quand même ouvrir voir la taille du produit. Ah ben non, du coup j'ouvre pas parce que tout est bien scellé, donc non, ben je lui laisse comme ça, et puis je regarderai avec elle quand elle les ouvrira. Et là j'ai pris quelques petits trucs pour moi. Alors il y avait des fins de solde, mais pas que. J'ai pu passer un code promo aussi, je mets un peu de lumière. Donc j'ai enfin repris la base NYX Marshmallow en grand format cette fois-ci, hein. Comme je vous ai dit, je l'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est bon, j'ai pris... Donc là c'est un petit blush crème de la marque XX Revolution que je n'ai pas du tout. Donc voilà, comme c'était des produits, comme je disais, de fin de solde, je vais pouvoir tester avec des prix un petit peu plus moins élevés. Je ne connais pas du tout hein, ces produits-là. Un double embout fard liquide côté lumineux, côté pailleté. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de produit pour faire des trucs un petit peu plus élaborés. Et donc, alors je ne sais pas si je vais tout ouvrir maintenant, parce que je manque un petit peu de temps, comme on est rentré d'hier soir. Simple Beauty, il s'agit d'un liquide à paupières noir. Parce que pour certains smoky que je dois faire un petit peu rapidement, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et je pense que ça peut être un produit sympa, un peu multifonction. Je vais voir comment ça réagit. Voilà, donc je vous ferai des petits swatchs d'ici la fin de ce vlog, je pense. Et là, on va faire les paquets cadeaux du coup. Bon, je vous retrouve maintenant devant les produits Unique. Puisque j'ai fait le tirage au sort, je ne sais pas si vous aviez vu, donc sur mes pages plutôt pro, j'avais lancé un concours d'équipe. Donc on avait fait ça à plusieurs en fait. Et voilà, donc on avait fait un espèce de lot mystère. Donc là, je suis en train de prendre les petites photos avant de préparer l'envoi. Et donc la gagnante est Mathilde Mava. Donc je m'en vois complètement ravie puisque je connais Mathilde. Voilà, des fois ça tombe sur des gens qu'on connaît un petit peu plus que d'autres. Et voilà, donc je suis ravie parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on parle des produits avec Mathilde et je sais qu'elle avait, elle avait envie de tester. Donc je suis ravie de pouvoir lui permettre par le biais d'un petit concours. Donc voilà, donc il y en aura certainement d'autres. C'est vrai qu'on les présente pas toujours de la même manière. Là voilà, c'était un petit peu un lot mystère, on va dire. Puisque c'était quand on fait ça un petit peu en équipe, on donne tous un petit peu de ce qu'on peut pour pouvoir l'organiser. Hein. C'est pas, ça demande un petit peu d'organisation, on va dire. Donc voilà, donc je suis ravie de pouvoir préparer ce petit colis à Mathilde.
Bon, eh bien, quelques jours se sont écoulés. J'ai fait des grosses coupures, comme je vous le disais dans ce vlog. Ça regroupera presque pas loin de 2 semaines, je pense. Bon, c'est pas grave. Je viens de réaliser ce make-up très automnal, hein, il faut bien le dire, comme la météo. N'est-ce pas? J'espère que d'ici, donc je publie ce vlog dimanche, les choses se seront améliorées. Mais là, c'est juste pas possible, quoi. J'ai fait une vidéo maquillage d'été. Je ne sais même pas si j'ai refait ce maquillage ne serait-ce qu'une seule fois. Voilà. Et là, bah, j'ai de plus envie de, voilà, du cuivré, du marron, des choses comme ça. Bref, ceci étant, j'ai fait ce petit make-up, donc en particulier avec les produits Uniq. Donc, je fais beaucoup ça, pas tous les jours, mais presque. Enfin, en tout cas, quand j'utilise les produits Uniq ou même qu'un seul, en fait. Et ça me permet, voilà, d'intégrer des petites choses. Donc là, je m'étais fait une petite palette un peu, voilà, un peu automnale, hein, il faut bien le dire. Et donc c'est ce que j'ai utilisé sur mes yeux aujourd'hui. Rouge à lèvres marron, ça fait vraiment très très automnal, hein. On va voir si le soleil arrive. Je mettrai peut-être un petit peu de plus clair. Mes cheveux, j'en peux juste plus, donc je les réattache ces jours-ci. Je suis sur pas mal de choses en termes de paperasserie, de montage photo, de, enfin bon, plein de choses. Donc je vais vous partager une partie de ces choses-là. Dans le vlog, j'ai récupéré une partie des photos avec la photographe avec laquelle j'ai commencé à travailler. Je vais essayer d'en récupérer quelques-unes et de vous les glisser dans ce vlog, et voilà, histoire de vous donner un petit aperçu de ce que je vous avais filmé dans la forêt, un petit peu les prises photos qui avaient été faites. Et là, maintenant, j'ai récupéré quelques photos. Donc, je voulais intégrer ça. J'ai intégré également donc quelques photos du premier, enfin du premier, non, du... Là, au jour d'aujourd'hui, du mariage qui vient juste de se passer. Donc, je vous ai glissé normalement quelques photos de la mariée. Et j'y retourne donc pour un autre avec plusieurs membres de la famille samedi, donc après-demain. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai pas mal de boulot au niveau voilà, nettoyer, désinfecter les produits que je vais utiliser et tout ça. Donc, ça, je vais m'y mettre. Qu'est-ce que je voulais bien vous partager d'autre? Je ne sais plus en termes de colis, tout ça, où est-ce que j'en suis? Là donc, ah bah galère, ça va être le passage des petites galères. Donc je dois envoyer le concours à Mathilde, et ça fait 2 jours que le site de la poste ne veut rien savoir, parce que moi je fais les envois en Colissimo quand je fais pas Mondial Relais depuis le site de la poste avec l'envoi en boîte aux lettres. Je trouve ça super pratique et c'est pas plus cher, sauf que depuis 2 jours c'est pas possible. Donc voilà, je sais que Mathilde, il n'y a pas de souci, elle va patienter, mais c'est que j'ai aussi une cliente à envoyer son colis comme ça. Donc là, ben, j'y suis à nouveau depuis ce matin, et en fait ça avance jusqu'au moment de valider la commande et ça bug. Je pense que ça vient d'eux. En tout cas, c'est juste pénible, les aléas des colis. Hier, j'ai fait mon petit tour à Nose parce que j'avais vu pas mal d'arrivages et tout, et puis au final c'était pas si terrible que ça. J'ai chopé 2-3 bricoles, voilà, pas que du make-up, mais des petites choses. Donc je verrai si je vous partage ça ou si plus tard je fais une vidéo haul. Mes achats d'été, voilà, ce genre de choses, je sais pas trop encore. Et puis voilà, c'est tout pour le moment. Donc, programme du jour, eh bien, on fait un peu en fonction aussi, comme je vous le disais, donc en dehors de mes heures de travail, de la météo, puisqu'on peut absolument rien faire à l'extérieur. On est vraiment, c'est plus de la grisaille, là c'est carrément de la pluie depuis plusieurs jours. Donc c'est juste pas possible, enfin c'est trempé partout, c'est juste un enfer. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour le moment. Je ne sais toujours pas quand est-ce que je vous retrouve et pour quel sujet. Donc voilà, vraiment le vlog freestyle. Nous sommes vendredi et je me suis préparée pour qu'on sorte. On devrait faire normalement Action et BM aujourd'hui. Alors c'est surtout pour les filles, puisqu'on est sur le mois de leur anniversaire et qu'on va aller chercher des petites choses, voilà, pour fêter ça, petite déco, voilà, des trucs de ce genre-là. J'en profite pour vous faire un look du jour, ça fait super longtemps. Au niveau du make-up, je voulais partager sur Insta. J'ai utilisé à nouveau des fards mono de chez Uniq. Et voilà, je fais une espèce de mini-série en fait sur les fards mono
pour un petit peu montrer les différentes textures, etc. J'ai ondulé un petit peu la tignasse. Et donc, au niveau du look, on est sur un... Alors, c'est un double... J'ai un petit débardeur dessous. C'est un débardeur tout simple, un noir de chez Jennifer. Et par-dessus, j'ai mis ce petit gilet juste trop chou. J'adore pour passer avec pas mal de choses de chez H&M. Je l'aime vraiment beaucoup, voilà, quand il fait un petit peu frais ou quoi. Ça fait léger sans faire trop gros gilet. Et en même temps, ça tient quand même un petit peu chaud puisque on est toujours sur des journées pas folichonnes. Au niveau du jean, c'est le Padef de Jennifer. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Voilà. Donc, je l'ai ceinturé. Je disais donc que j'ai dû changer de place puisqu'il y a du passage partout dans cette maison. Donc, le jean, à côté, vous avez mon kit qui est en préparation pour demain, petite parenthèse. Donc, le jean Padef, c'est dans la gamme des Flair. Ils en ont ressorti une collection pour la rentrée avec des nouvelles teintes et tout ça. On est franchement, c'est ce que je vous disais, super bien devant. J'ai pas un miroir adéquat pour vous montrer un petit peu le rendu. Mais voilà, je pense que vous vous rendez compte. Donc, on est sur du Flair quand même assez large. Au niveau des baskets, je vais vous montrer dans l'autre sens. Donc, elles sont toutes petites hein, avec le Flair. C'est des Pumas que j'avais trouvé à Nose. J'aime bien. Elles sont toutes simples, un petit peu style satiné là. Et ça passe bien avec ce genre de pantalon. C'est quand même un peu malheureux en plein mois d'août d'être obligé de mettre des baskets chaussettes. Mais enfin, c'est la vie. Donc, voilà, petit look. Je vais quand même mettre une petite veste... pour sortir parce que c'est pas la grosse chaleur. Oui, niveau accessoires aussi, j'ai remis mon petit bracelet. Alors je ne l'aimais pas ceux-là quand il fait trop chaud parce que c'est une matière en fait voilà qui me fait un petit peu des petites allergies ou quoi. Donc ce que je fais en général, c'est que je mets mon gilet par-dessous. Là je ne l'ai pas fait encore parce que bon aujourd'hui voilà. C'est vrai que la chaleur avec des bracelets larges comme ça, c'est pas évident. Donc ce sont les bracelets moi que je trouve sur AliExpress. J'en ai tout un tas, hein, vous avez déjà dû voir. J'ai le noir, l'argenté. J'aime beaucoup, je trouve ça. Voilà, c'est assez imposant, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous retrouve de visu. Donc, demain, j'ai à nouveau donc, un mariage. J'ai nettoyé, ça y est, voilà, tout mon matériel. Tout est nickel propre. Je vais finir mon kit ce soir. Et ce que je fais, c'est que je prépare... comme on utilise des... En général, j'utilise beaucoup pour les mariages les fards mono. Parce que comme ça, la personne peut vraiment choisir ses teintes. Et je monte la palette aimantée en fonction des choix qu'a fait la personne. Donc là, sachant que c'est moi qui ai utilisé une sélection aujourd'hui, je vais vous montrer tout de suite comment je fonctionne. Alors ça dépend, je ne prends pas toujours les mêmes. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, ça c'est ce que j'ai utilisé. Donc voilà, le nude dans toute sa splendeur, hein, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et donc je vais tout enlever dans celle-ci ou dans une ionique, je ne sais pas, je vais voir au niveau praticité, pour mettre la sélection de la mariée de demain. Comme ça, je n'ai pas besoin de chercher. Et pour le reste, c'est gloss, fond de teint spray. En général, le fond de teint spray, c'est celui que j'utilise pour les mariages aussi. Les bases, voilà, bronzer, blush. Donc, je dois préparer tout ça et emmener un petit peu plus de matériel puisque j'ai aussi quelques membres de la famille à faire. Donc, voilà. Donc là, par contre, on n'a pas fait d'essai. Je ne connais pas les personnes. Donc, il faut absolument que j'emmène pas mal de teintes, quoi, du coup. Donc, voilà. Donc, on va sortir avec les filles. Je ne sais pas si je vous filmerai un petit peu. Donc, on va commencer par B&M, je pense. On y est allé une seule fois depuis qu'il est ouvert dans notre secteur. Bon, c'est pas... Voilà, c'est pas spectaculaire. Après, c'est vrai qu'il y a certains produits qu'on trouve pas trop ailleurs. Des produits, beaucoup de produits américains, des choses comme ça. Donc, elle va regarder pour 2-3 bricoles. Et puis, on finira peut-être à Action si on n'a pas trouvé tout ce qu'on veut. Voilà, ma foi. J'étais sur le net un petit peu ce matin, regarder des petites choses. En particulier, la nouvelle palette Natasha Denona. Elle est déjà sortie, je pensais pas que ça irait si vite. Et je suis en hésitation parce que bah, c'est vrai que j'adore Natasha Denona et surtout les mini palettes. Mais en l'occurrence, c'est une palette pour faire des smoky. Donc j'hésite. J'hésite, sachant que dans la palette, il n'y a qu'un lumineux. Le reste, ce sont que des mats, du noir et du gris. Un blanc, je crois. Bon, ça a l'air super sympa. Hein. Je pense que je vais finir par la prendre. J'attends déjà un code promo. Mais je ne vais pas me précipiter dessus dès la sortie parce que bah, pour faire des smoky, j'ai largement ce qu'il faut. Donc, je sais pas, je suis en hésitation. Après, c'est vrai que ça peut être bien pratique
pour justement pour emmener ou voilà ce genre de choses. Si en partant on a une soirée ou un truc comme ça peut être pas mal plutôt que d'emmener ben, justement des fards mono ou des grandes palettes. Donc je sais pas, j'ai vu qu'elle était sortie, il y a les petits crayons pour les yeux aussi qui ont l'air sympas. Les pots de liner ça m'intéresse pas parce que j'en ai déjà. Donc affaire à suivre. J'ai aussi refait un petit tri et j'ai mis quelques articles sur Vinted, pas grand chose, mais il y a quand même encore quelques trucs. N'hésitez pas à vous rendre sur mon Vinted régulièrement, quand Vinted accepte mes annonces, ce qui n'est pas toujours le cas, comme d'habitude. Et puis voilà, donc allez, bah c'est parti pour la petite sortie du jour. Bon bien ça y est, nous y sommes d'une vers la fin du vlog, de deux vers la journée de mariage que je dois préparer. On est entre de très grosses averses, ça n'a pas arrêté là de la matinée. Maintenant que je parle, le soleil arrive, j'espère vraiment pour eux que ça va rester parce que c'était l'horreur tout à l'heure. J'ai fait un maquillage super léger, vous vous rendez compte de rien, mais on verra peut-être mieux quand limite ça fait pas beau là avec le reflet de la toiture. Je vous dirai peut-être ce que j'ai utilisé. C'est vraiment ce que je fais quand voilà, j'ai des ateliers ou quoi. Je fais pas des gros make-up en général ou des événements, voilà ce genre de choses. Pareil au niveau de la tenue, c'est jean basket hein, pour être le plus possible à l'aise. J'ai mis une chemise un petit peu ample et voilà, maquillage léger parce qu'avec le masque on va pas arrêter de parler. Donc voilà, donc allez c'est parti. Je sais pas du tout si je pourrai vous partager des choses ou pas ou quelques photos. On verra ça tout à l'heure. Bon, eh bien, je vous retrouve fin de journée, oui, dans ma tête et dans mon corps, c'est la fin de la journée, je n'en peux plus. Je suis un peu épuisée des prestations, ce qui est tout à fait normal, en plus, il fait un temps vraiment horrible. Et voilà, du coup, je vous partagerai sûrement quelques photos. C'est très très rare que je puisse, que j'y pense déjà, filmer pendant les prestations. Après, voilà, c'est pas non plus... C'est vrai que c'est des moments super speed et il y a eu pas mal de contretemps en plus ce matin par rapport à la famille dont je m'occupais. Mais voilà, tout s'est sinon très très bien passé. Aucun souci là-dessus. Donc je vais clôturer ce vlog. J'étais en train de regarder un petit peu. Je vais faire à la suite de ce vlog une petite vidéo haul, je pense. Des petites choses que j'ai pu trouver courant juillet, ce début d'août, il y a des petites choses. J'ai passé une commande Beauty Bay hier, donc je verrai si je vous l'intègre dans le haul en question. Il y a des produits YesStyle, voilà, donc c'est des choses dont je pourrais vous parler. Et ce que je ferai, c'est que les produits que je vous ai montrés, que j'ai pas swatchés dans la première commande Beauty Bay, là il y avait quelques produits Révolution et tout ça, je vous les swatcherai à ce moment-là dans le haul, ce sera plus simple. Comme ça, là, je vais pouvoir clôturer. Je sais pas à quoi va ressembler ce vlog vu qu'on était quasiment sur deux semaines mais sans filmer tous les jours. Donc voilà, mais c'est le mois d'août, hein. Juillet et août, c'est souvent... moi j'ai toujours très très envie de faire des vidéos, après c'est l'organisation, le temps qui manque et tout ça. En termes de contenu, j'ai encore pas mal d'idées. Mais c'est vrai qu'en termes d'achat, bah, y a quand même moins de choses. Je veux vraiment être sûre de... Bah, d'utiliser voilà les achats que je fais et tout ça. Donc il y aura des petites choses à discuter avec vous et à tester avec vous prochainement. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous quitte donc avec une tête de fatiguée. J'ai vraiment très mal au dos en plus depuis une semaine et comme j'enchaîne les prestations, j'ai un peu pas trop le temps de récupérer. C'est surtout que je fais pas bien mes étirements. Je me force à faire des étirements quand même après chaque prestation parce qu'on prend vraiment de mauvaises positions. On s'adapte aux meubles qu'il y a chez les gens. Hein. Donc aujourd'hui, c'était des chaises très très basses. Donc j'étais tout le temps courbée. Voilà. Mais sinon, c'est pas grave. Donc je vous glisserai avant ou après quelques images, je pense, avec l'autorisation de la mariée et des invités que j'ai pu faire. Et puis en général, quand voilà, il y a peut-être, vous verrez peut-être des photos où les visages sont cachés. Ça, c'était pour la prestation que j'avais fait avec la photographe, effectivement, où on préfère, voilà, en fonction des demandes et des circonstances, ben voilà. Des fois, on n'a pas toujours le temps de demander aux gens s'ils veulent ou pas être publiés un peu partout. Donc, c'est tout à fait normal de les flouter, entre guillemets. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog un petit peu décousu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!